Hey, salut à tous, c'est Mister Dame et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. On est sur une map en 1.10 qui s'appelle How to Survive Minecraft. Alors, il y a différentes règles que j'ai déjà checkées. Il y a un livre, en fait, qui vous explique vite fait que la map mélange des puzzles, du parcours, dropper, enfin, de boutons, etc. Ça prend place après deux maps qu'il a fait avec différentes histoires. Bon, il raconte en gros Watkins, c'est un employé qui nous a aidés, machin. Ah ouais, c'est une IA méchante. The Core, c'est une autre IA, etc. Bref, j'ai pas fait les autres maps, ces anciennes, mais voilà, je. Ah, on peut voir sa map ici. Ok, bon, c'est pas grave. Du coup, on va commencer. On va voir un peu de. Ouh là, la nausée. How to Survive Minecraft Villager Inc. Testing Player. Alors, d'accord. Test des joueurs depuis 1932. Ouais, bon, bref. J'appuie. Meeting complète. Testing in 3, 2, 3, 2, 1. Bonjour, est-ce que c'est en marche? Oui, bonjour, vous. Oui, vous. Est-ce que vous pouvez presser le bouton rouge? Voilà. Bravo. Enfin, génial, bref. Après votre dernière cryogénisation, j'arrive plus à parler. On était inquiété pour votre mémoire, que votre mémoire ait été corrompue. Je suis Watkins. On va commencer les tests bientôt. Où est-ce que j'ai mis les instructions? Alors, vous vous souvenez sûrement pas, mais on est dans les phases finales de test. La potion était un disaste, mais peu importe. Tout ce que vous avez à faire, c'est de compléter 7 tests simples, easy peasy. Attention, enfin, accrochez-vous, Mr. David, le téléport va vous être de retour en ligne. Et souvenez-vous, le corps nous observe tout le temps. Ok. Alors, data room de notre hunter. En même temps, si, ah ouais, c'est un truc qui veut nous tuer, ouais, j'ai pas envie d'y aller. Ouais, un bureau. Ok. Ah, voilà, c'est les différents niveaux. Ok, donc les autres sont fermés. C'est quoi ça? Food. Si j'ai besoin de nourriture, c'est gentil. Ok, bon, on va aller faire le premier, voir à quoi ça ressemble. Et hop. Level 1, basic. Craft a golden carotte. Ok, on m'a donné une hache qui permet de casser des coffres. Ouais. Juste des coffres? Genre le bois? Non, le bois, je peux pas. Ah, je peux pas l'ouvrir. Mais je peux le casser, c'est con, hein. On a un coffre à des pommes. Putain, je sais plus parler. Là, on peut reset. What? Ok, on a une hache en pierre qu'on a trouvée. Mais là, il y a une autre. Donc, on nous a donné deux fois la même hache. Et des indices. Bon, on va pas lire les indices. D'ailleurs, je peux. Attends, mais celle-là. Bah non. Oui, non, mais celle-là, c'est pour le bois, je suis bête. On va pouvoir casser le bois. Alors. Ok. Je suppose il va falloir faire des choses genre. D'accord, ça me donne une table de craft qu'on peut poser sur un bloc de diamant. Ok. Et moi ce que je voulais faire avant tout, c'était une pioche. Ah, ok. Une pioche en fer qui peut casser la stone et gold ore. On peut genre casser ça là aussi? Hey, c'était bizarre ce truc. Ok, une épée avec looting 100. What the fuck? Bon, on va voir ça, on va miner là-dedans. Ok, bonjour. J'ai même pas regardé. Ok, level 1, basique, craft à golden carotte. Ok, il faut qu'on fasse une golden carotte. Mais pour ça, il va falloir un four pour cuire l'or. Enfin, ça, je peux pas le miner en plus. J'ai combien? Ok. On va faire un four. Ça peut être placé sur un. D'accord, bloc de gold. C'est pour ça qu'il y en avait un là. On met ça. Allez, du coup, on peut utiliser un coffre. On va même utiliser les deux. Du coup, c'est marqué quoi ça? Totally a spawner. Ah! Bah oui. Pour avoir la carotte. Lingot de fer. Nice. Eh ouais, t'avais pas prévu le lingot de fer, hein? Encore un.
Encore un, allez! Avec looting 100, bah, t'obtiens un objet à chaque fois, quoi. Encore un! Ah, j'ai ma carotte. Et j'ai de l'or aussi. Bon, une golden carotte, c'est tout simple à faire. C'est comme ceci. Et voilà. Mais premier niveau terminé. Bon, c'était une petite mise en bouche. Level 1 complète, système à 40%, welded, tout ça. Mining. Ok, on obtient quoi? Je peux casser de l'iron ore, je peux casser des wooden planks. Alors, on est quoi? Dans une... Ah. Ça, je récupère. On est dans une sorte de mine. Je peux casser les torches? Non. Ok, il y a du charbon, on va le laisser dedans pour l'instant. Là-bas, il y a du bois. Alors moi, je vois des choses. Oh. Je casse. Je crois que je vais vraiment... J'ai pas l'habitude. C'est où donc, quoi? C'est où qu'on peut enlever l'auto-jump? Ah, ici. Auto-jump. Bim. Voilà, parce que j'ai pas l'habitude et j'aime pas. Voilà, tout simplement. Oh là, il y a de l'eau, là. Ah, attends, je peux peut-être... Ok. Moi, j'explore. Là-bas, il y a des trucs. Là, une table de craft. Un bouton. Attends, faut faire quoi? Ne pas... Alors, trouver le bouton bleu. Un bouton bleu? What the fuck? Il n'y a pas de bouton bleu dans Minecraft. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Ne pas jeter des tables dans la lave. Ok, bon, ça va. Alors, j'ai du beau... Ah, je sais. Je sais ce qu'il va falloir faire, je pense. Déjà, on va cuire ça. Et après, il va falloir redescendre par là et faire une pioche en fer, du coup. Ah, mais il y a du diamant là. Ah, mais je peux pas aller par là. Eh, s'il vous plaît. Non. Bon, on va faire une pioche en fer. Sûrement qu'elle pourra nous permettre de miner le diamant, je suppose. Ouais, ça va être ça. Ne pas acheter d'item, ouais. Donne-moi mon fer, toi, surtout. Merci. C'est bien, en plus, ça me fait des achievements et tout dans Minecraft, magnifique. Alors. La petite pioche en fer, ouais, voilà, permet de miner de diamants. Ça paraissait logique. Et ça l'est. Hop, on obtient du diamant. C'est cool. Ah, il y en a un là. Je suppose qu'il va falloir faire une... pioche en diamant maintenant. Alors, c'est, ils nous donnent pas non plus, ils nous disent pas ce qu'il faut faire exactement, mais c'est assez évident. Obsidienne. Alors je casse celle-là pour essayer de passer, pour aller là-bas où il y avait notre trou. Ouais, par contre c'est un peu loin. Et moi, pas installé, je minais l'obsidienne. Ah oui, mais en fait. Ça m'a l'air plus compliqué que prévu. Après, c'est un peu long, hein, bien entendu. Ah non, là il y a encore de l'obsi. Encore deux blocs à casser. Il aurait pu nous donner une efficiency 5 quand même pour aller plus vite. Ça aurait été gentil. Voilà, je casse celui-là et je vais pouvoir aller dans cette zone. Alors, je sais pas ce qu'il faut faire ensuite. Je sais pas. Peut-être qu'on va nous donner d'autres items pour encore crafter quelque chose. Alors, ouais, c'est pas un bouton bleu, ça, monsieur! Bon. Niveau 2 complété. C'était pas... Alors, je vais prendre de la nourriture. Tiens. Hop, s'il vous plaît. C'était pas un niveau 2, c'était pas un niveau 2. C'était pas un bouton bleu, c'était un bouton classique sur un bloc bleu. Allez, niveau 3. Find the key. Alors, dans cette pièce, vous devez trouver 8 leviers et les placer sur les diamond blocks. Attendez, mais c'est ma maison? Ils m'ont dit qu'ils allaient pas la toucher. Donc, là, est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, là, il y a un truc. Ah non, je crois que c'était un... Ah, ah, premier levier. Toujours chercher dans les étangs. Règle numéro 1. On va d'abord faire le tour du bâtiment. Et on verra après si on peut rentrer dedans. Ouais. Non, il y a rien de caché là. On va mettre le premier levier, du coup. Là. Rien. C'est quoi ça? Oh! Allez, un autre levier. Bon, bah ça c'est gentil. Hop, on le met là.
Ah, du parcours. Attends, je peux sauter genre par là comme ça. Ah ouais. Hop. Voilà, le parcours, c'est pas compliqué encore, ça va. Ça sert à quoi? Ah, ça sert à aller là. Ok. Là, il y a un truc d'écrit. Là, il y a des coffres là. Là et là. Par là. Rien d'intéressant. On redescend? Ouais, on redescend. Aïe! Bon, ça fait trois leviers déjà, sans même être rentré à l'intérieur de la maison. C'est marqué quoi là? Note pour soi-même. Fixer, je sais pas ce que c'est là de moi, voilà. Mon anglais n'est pas non plus parfait. On peut rentrer? 18 Wilton Lane, c'est Watkins, ok. Ah! Toujours fouiller tout ce qui est conteneur. Deux boutons qui vont être mis sur le lapis-lazuli, d'accord. Ok. Coffre. Diamond Hook peut être placé sur la dirt. Ouais. Close. Ah, là je peux pas avoir accès au coffre. Ah. Ah mais il y a... Attends. Hop. Ça m'a donné quoi? Ça m'a donné un... Oh! J'avais pas vu. Il y avait un levier là. Ça m'a donné un... Je crois que ça m'avait donné un levier. Non? Bon. Une éponge. K. Ok, c'est la clé. Là, c'est quoi ça? Pourquoi il y a un coffre vide ici? Je sais pas. Oups, pardon, je voulais pas casser. Désolé. Oups. Oups, pardon. Non, non, c'était pas fait exprès. Lolo. Au cas où vous vous demandez, je ne suis pas avec ma maman pour l'instant. Ok, on peut casser des feuilles avec ça. On sait à quoi ça va nous servir. Table d'enchante. Non, y a rien de coincé dedans. Alors, ma chambre, restez, enfin, éloignez-vous quoi. Alors, deux coffres vides, une petite vue sur pas grand-chose. C'est quoi ça? Ah, ah, c'est un Minecraft Hopper. Oui, j'avais pas vu. Wouhou! Je peux le casser ou pas? Ah, je peux le casser. Ouais, je casse tout, moi. Je suis un ouf, moi. Wouhou! Alors, j'ai combien de leviers? J'en ai trois, sachant qu'il y a encore au moins un coffre dehors et que j'ai une houe qui sert. Alors, le seul endroit où il y avait de la terre, c'était le champ. Non, c'est pas par là. Le seul endroit où il y avait de la terre, c'était le champ dehors. Bon, déjà, on casse tout. Ouais, moi, je suis paysagiste. Voilà comment je taille les haies. Alors, ouais, un levier de plus. Ouais, il y en a pas. J'en suis à 4, et il m'en faut, je sais plus combien. Ouais, donc le seul endroit où il y avait de la terre, c'est... Ouais, il m'en manque un encore. Hop. C'était là. Du coup, je suppose... Ouais, voilà. Et je me doutais qu'il y avait un truc comme ça avant. Hop. 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 Et bim! Wow, vous avez l'air de vraiment savoir le votre chemin dans ma maison. Ouais, c'est un peu inquiétant. Bon, voilà, je connais bien chez vous. Alors, ça c'est quoi? Je peux casser les spawners, ok? Alors, celui-ci est facile. Si vous voulez survivre, ne prenez pas de damage et toujours portez votre chestplate. What? Ah oui, j'ai qu'un cœur, j'avais pas vu, d'accord. Alors, on doit porter notre chestplate tout le temps. L'enlever, c'est considéré comme du cheat. Et faites enfin, parcourez votre chemin jusqu'à la fin. Ok, ça va. Ah, les nouveaux blocs. Là, il y a aussi quelque chose. 2$ chacun, rien à foutre, je prends tout. Alors, les nouveaux blocs, si on sneak, on prend pas de dégâts. L'archesse. J'ai cru que ça allait me tuer, mais non. Hop là! Alors, c'est quoi par là? Je sais pas trop où faut aller. Il y a l'air d'avoir plusieurs chemins. Oh putain. Wouah! C'est bon. D'accord, le coffre dans le vide. Dangereux par ici, mon dieu. Bon, je sens bien.
Y'a quoi par là? On peut éteindre le feu? Non. Oh là, y'a une potion qui tombe, j'ai pas envie de tester. Je vais aller par là. Oh, y'a un bouton, ce serait déjà la fin? Serait-ce déjà la fin? J'ai vraiment récupéré des flèches. Merci. 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 Allez, je peux les revendre? Ouais, 10 steaks, on en a 64, magnifique. Ouch, peut-être que ce n'était pas aussi simple. Tu rigoles, je ne suis jamais mort. Je ne suis jamais mort. Et écoute, il reste quoi? 3 niveaux, en espérant qu'ils soient un peu plus longs, je pense. On va s'arrêter là. Voilà, ce sera un épisode d'une quinzaine de minutes à peu près. Un petit peu plus. J'espère que cette map vous plaît. N'hésitez pas à la tester ou même la finir avant que le deuxième épisode sorte en la téléchargeant. Elle sera dans la description, bien entendu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à mettre un commentaire, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux favoris. Et si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à la chaîne YouTube afin de manquer absolument aucune vidéo. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!